Manger nyam et puis il n'y a pas huile, c'est pas ça? J'ai commencé à me plaindre. J'ai donné combien? Tu m'as donné une somme de 10 000 francs. Tu as compris? Mais quand il est venu, il vient parler de ça. Tu as vu? C'est pour dire, je ne suis pas contre toi. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a forcé. Je viens te donner, il dit, mais pourquoi tu manges? Ils m'ont dit, non, il n'y a rien. Comme il n'y a rien. Ce matin, il m'a dit ça. Tu comprends? Il ne suis pas contre toi. Quand j'ai quitté chez toi ici, là, j'ai donné l'argent à ta femme. Elle t'a pas dit ça? Si. Ah. Les 10 000 francs. Encore à ta femme. À ma femme. Bon, on va là. Je vous dis, ce que nous sommes en train de combattre, c'est l'esprit qui est en toi, sorcellerie. Selon toi-même, là. Toi-même, on veut t'arranger. Nous ne sommes pas contre ta chair. Nous ne sommes pas en train de t'humilier. Nous sommes en train de te soigner. Une maladie très grave. Une maladie très grave, dangereuse, qu'on appelle la sorcellerie. Je t'ai vu manger, tuer tes enfants, tu n'es pas là. Pourquoi vous donner à manger mieux et puis prendre la bouillie de yam, le sang? On dit non, il n'y a rien. Je te donne l'argent. Vous dites, je ne suis pas contre toi. Si c'est deux, j'allais te frapper. C'est-à-dire, tu veux sorcier. Si c'est deux, il allait même pas te donner, il n'allait pas t'écouter. Mais moi, je ne peux pas t'humilier. Ce qu'ils sont en train de faire, quand on a quitté Issa, c'est devenu pas là. Tout le monde dit, ah, le prophète, c'est un faux prophète. D'autres m'ont traité de tous les noms. Moi, j'aime bien ça. Parce que la vérité triomphe toujours du mensonge. On a tourné jusqu'en, te voici là. Moi qui vous avez insulté dans la famille. Moi qui vous avez fait traiter de tout nom. Te voici. Je sais que je suis appelé. Je sais que Dieu m'a appelé. Constater que ce qui est en toi est dangereux, que toi-même tu n'arrives pas à maîtriser.
tu n'arrives pas toi-même à maîtriser. Tu vas beau faire, tu ne vas jamais maîtriser ça. Parce qu'ils t'ont donné quelque chose, c'est dangereux. C'est très dangereux. Aoulou, que ton fils te donnait la manger, tu l'as tué. Tes enfants, tu les tues. C'est-à-dire toi-même, tu ne maîtrises plus ta vie. Tu n'es plus le maître de ta volonté. Quand la chose aura besoin de viande, ça va les manger. Si tu veux pas, ça se lève la nuit, ça va manger, choubouya. Ça revient. Donc maintenant, là, on va prier pour que désormais, que ça ne soit pas le mauvais esprit, que ça soit Jésus qui soit maintenant dans ton cœur. Est-ce que tu es d'accord? Tu es d'accord? Oui. Tu vas prier avec moi. Il faut dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je t'accepte. Je t'accepte. Comme sauveur. Comme sauveur. Et Seigneur. Et Seigneur. Personnel. Seigneur. Personnel. Personnel. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Et fais de moi. Fais de moi. Fais de moi. La personne. Que tu désires. Que je désire. Que tu désires. Que je désire. Que tu désires, lui, Dieu. Que tu désires. Que tu désires. Que je sois. Que je sois. Pardonne. Pardonnez-moi. Tous mes péchés. Tous mes péchés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que j'ai prié. Que j'ai prié. Amen. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur notre Dieu. Tu dis dans ta parole que tu ne remettrai jamais. Tu dis je ne remettrai jamais dehors celui qui vient par là. Merci pour le sacrifice parfait à la croix. David déclare que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, mais le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres que personne ne se glorifie. Merci de faire grâce, Seigneur, ce monsieur ce matin. Merci Seigneur notre Dieu. Ce monsieur qui a tué, qui a détruit en sorcellerie, et tu décides aujourd'hui de délivrer, de faire miséricorde, permettre qu'il soit un véritable chrétien. Accorde-le toutes sortes de grâces, Seigneur, et délivre-le afin que ton nom seul soit glorifié. Merci pour la manifestation de ton pouvoir dans sa vie. Merci d'agir pleinement au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Maintenant, on a commencé, on s'est arrêté vers l'île, tu vois là. T'as compris? Tu viens d'accepter Jésus. C'est maintenant que j'ai commencé à prier pour toi, pour ta délivrance. Il faut comprendre que la sorcellerie n'est pas une bonne chose. Ok? Tu vas maintenant vivre une nouvelle vie. Tu vas quitter clairement le camp de Satan. N'est-ce pas? Pour adhérer au camp de Dieu. Tu vas maintenant appartenir au camp de Dieu. Dans le camp de Dieu, on fait des bonnes choses. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit t'anime, du moins quand il t'habite, il y a des choses que tu ne feras pas. Amen. Amen. On est d'accord avec ça? Tu allais à l'église avant, non? Ça, c'était semblant d'aller à l'église. C'est maintenant que tu seras véritable chrétien. Donc tu reconnais que tu es sorcier, c'est ça? Oui. Mmh? Oui, pasteur. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu as dit à ta famille? Le travail que je suis en train de faire là, tu dis quoi à ta famille? Est-ce que je suis en train de te forcer? Est-ce que c'est ce que tu as fait, que tu as dit, et que tu. Ce que les gens ont fait parce qu'ils m'ont insulté? Donc dis un mot. Ah. Dis un mot. N'a pas dit un mot. Voilà. Tu n'as pas bien expliqué. Quoi? Mais dis-lui ce qu'il doit expliquer. Ah, il gagba. Il est sorti, il faut qu'il reconnaisse ça devant sa famille, puis il dit, je suis sorti, effectivement, le monsieur est venu, après son départ, vous m'avez dit, on l'a insulté, mais effectivement, je suis sorti. Qu'est-ce que tu as dit à ta famille? Je lui dirai tout ce que vous m'avez fait. Je remercie le Seigneur Jésus. Très bien. Je remercie le Seigneur Jésus. Oui. Il a passé par toi. Très bien. Pour pouvoir me délivrer. Très bien. Tu étais quoi? J'étais sorcier. Vrai, vrai sorcier. J'étais vrai, vrai sorcier. Très bien. Que le Seigneur m'a utilisé. Que le Seigneur m'a utilisé. Non, moi. Il m'a utilisé, non? Oui, oui. Pour te délivrer. Tu n'iras pas ça demain? Non. Si tu quittes ici, là, tu ne diras pas que Crasso m'a... Est-ce que je t'ai frappé ici? Non. Est-ce que je t'ai insulté ici? Non.
Au contraire, tu es bien entretenu d'ailleurs. Parce que pour nous, il faut qu'on te protège. Ça, c'est un corps. C'est pour ça que la Bible dit ne luttez pas contre la chair et le sang. Ce corps-là, nous avons besoin de protéger ça. Mais nous avons besoin. Moi, j'attaque l'esprit qui est en toi. Voilà. Donc, ce que je suis en train de faire là, ça n'a rien à voir avec l'humiliation. Hein? C'est un remède. C'est ma manière de soigner les sorciers. Comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 6. Souvent, ça énerve les gens, mais c'est comme ça la guérison. Est-ce que Jésus était obligé d'aller à la croix? On l'a mis nu à la croix, mais il fallait passer par là. Et quand vous étudiez la christianologie, Jésus était mis nu à la croix. Il fallait que Jésus passe par là pour que l'humanité soit sauvée. C'est un chemin obligatoire. Ça dit, tu n'es pas passé par là, il sera difficile. C'est pour ça que par moment, quand tu n'as pas envie de parler, non, tu laisses. Parce qu'on ne peut pas te forcer. Ici, on ne force personne. Tu es libre de te reconnaître. Tu es libre de ne pas reconnaître. Il y a des gens qui sont venus, ils n'ont pas reconnu, on les a amenés. Parce que ici, là, c'est simple. Tu reconnais, Dieu te délivre. On dit, celui qui avoue cette transgression et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui les cache ne prospère pas. Voilà, donc, la miséricorde de Dieu, derrière ça, il y a la guérison, il y a la délivrance. Là, j'ai été forcé. Hein? Non. Tu sais que ce matin, là, j'étais prêt pour toi. Pour... Si tu rentrais à Abidjan, tu avais deux jours, tu allais t'enfler tout ton corps, parler seul à Abidjan, et tu mourrais. Je suis venu spécialement à cause de toi. C'est comme ça, Jésus. Aide-toi seulement là. Tu as fait un témoignage pour mon ministère. Tu m'as trop défié. Amen. 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 Donc tu es délivré. Tu veux être délivré. Tu veux être délivré. Tu veux quitter le camp de Satan. Hein? Qui? Si. Satan n'est pas bon, non? Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il t'a blagué tout le temps. C'est maintenant que tes enfants ont commencé à prospérer. Ils vont commencer à te bénir. Biapa anagi, ogi o ya nazayi. Biapa atolago ya nazayo. Biapa anagi, ogi o ya nazayo. Biapa atolago ya nazayi. Biapa anagi, ogi o ya nazayo. Biapa. Yeah, I'm a dear, 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 I'm
chacun va parler à son sorcier. Celui qui en veut, on se tient debout, qui ne veut pas te voir prospérer, qui ne veut pas te voir entrer en 2015, qui est à la base de ta souffrance, qui est à la base de ta maladie comme Pharaon, qui s'opposait, n'est-ce pas, à la destinée d'Israël. Tu vas prier ce matin, tu vas commander que la maladie passe dans leur camp. Tu vas commander à la sorcellerie, à tous ces confréries, de lâcher ta vie. Prions sans Dieu. Mets ta main droite sur la tête et commence à parler. Commence à parler. Commence à parler.
Amen. Celui qui assure sur le trône de ta vie, il faut qu'il dorme. Alléluia. Qu'il cède le trône. Prie ensemble le Seigneur. Qu'il retourne. L'année, ceux qui sont assis chez moi, pendant que tu m'écoutes, j'ordonne qu'avant la fin de l'année, qu'il soit sous toi, qu'on les enterre dans le nom de Jésus. Amen. Je te force à I'm going to go to the hospital.
vie dans le nom de Jésus. Amen. Lâchez toute ta destinée, sa vie. Amen. Amen. Que tu as fait périr les ennemis d'Israël. Tu les as tous fait périr de la mer rouge. Tes ennemis vont tomber dans le nom de Jésus. Amen. Et que tu acclames le nom de Jésus. Amen. Bataille, c'est une lutte. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de lutter, sachant que nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. On dit Amen. Alléluia. Donnez-moi ma vie. Nous prenons Ésaïe. Vous voulez une exhortation ce matin? Amen. Amen. Nous prenons Ésaïe, le chapitre 59, le verset 1. Jusqu'au verset 2. Ésaïe 59. Amen. Les mois les plus dangereux de l'année. Nous avons déjà fini avec deux mois. Les deux mois de discussion. Tout ce qu'ils ont déclaré là. C'est maintenant pas tout le mois de novembre. Vous avez remarqué, les sorciers, on l'a programmé en novembre. Il va mourir en novembre. Il va mourir en décembre. C'est quand même à partir du verset 1. Non! La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ni ton oreille trop dure, tu cries. Et tu as l'impression que tu ne t'entends pas. Il dit non, son oreille n'est pas trop dure pour t'entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Entre vous et votre Dieu. Entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Vous cachent sa face. Et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Il arrivait un moment donné où l'ennemi a commencé à prendre le dessus sur Israël. Vous savez qu'Israël est le peuple de Dieu, le peuple de Dieu. Il y avait une alliance d'obéissance entre Israël avec leur Dieu, Yahweh, notre Dieu. Amen. Amen. Il arrivait un moment où les gens perdaient les combats. Ça n'allait plus en Israël, ça n'allait plus. Le peuple ennemi avait le dessus. Amen. Amen. C'était pas normal. Ils sont allés interroger Dieu. Alors le prophète va commencer à parler. Pour dire non, la main de Dieu n'est pas courte. Pour toi, tu es sauvé. Tu es dans les difficultés, tu ne sens pas la main de Dieu. Béni. Et tu as l'impression que tu cries, Dieu n'entend pas. Il dit non, mais il y a un mais. Il dit ce sont vos crimes. Amen. Amen. Tu vas te poser la question ce matin, mais qu'est-ce que j'ai tué? J'ai tué qui? Amen. Amen. La Bible dit que celui qui a la haine pour son frère est un meurtrier. Amen. Amen. Le fait même de garder des rancunes, de garder des choses contre son frère, de la haine, c'est dangereux pour toi-même. Amen. Amen. Donc cette journée-là, ce matin, il faut commencer à te repentir. Tu es en train de perdre un combat parce que quelque part, Dieu n'approuve pas ta position. Tu es dans une position de désobéissance. Il dit non. Ni son oreille trop dure pour entendre, mais ça cause de vos péchés. Amen. Amen. Tu es dans une position où Dieu ne peut plus t'écouter. Amen. Amen. Ce qui fait que par moment, quand tu cries, tu as l'impression que c'est le sorcier qui prend le dessus. Et toi, tu entends les peines d'un combat. Amen. Amen. Il faut regarder ton cœur. Il faut regarder ta vie ce matin. Il faut l'étaler devant Dieu pour dire réellement, je suis un pécheur. Je reconnais ma position. Je sais que c'est vrai qu'à un moment donné de ma vie, je t'ai tourné le dos. Amen. Tu tournes dos à Dieu, il te tournera le dos. Amen. Il fera comme toi. Amen. Si tu lui tournes le dos, il te tournera le dos. Amen. Amen. Si tu cherches à te parfaire, amen. C'est ça que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui pêche, paie davantage. Parce que le salaire du péché, d'abord. Amen. Les gens veulent être bénis sans sacrifice. Il veut être béni, il ne veut pas payer le prix, il veut être béni, il ne veut pas voir. Non, c'est un mois où chacun a besoin de se remettre en cause. Ce n'est pas une question de prophète Crasso a prié pour moi, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ça ne marche pas? Si je te pose cette question, Dieu te montrera des choses dans ta vie. Pour dire en réalité, bah, c'est ça. Et c'est ça le problème d'Israël, puisqu'il y avait Dieu, ils avaient Dieu, il y avait comme leur Dieu, ils pensaient qu'ils étaient, ils devaient tout faire. Péché, il n'y avait rien. Le Seigneur dit non. Maintenant, la main n'est pas courte pour sauver. Mais ça cause le crime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, prenez votre temps cette journée pour se repentir. Parce que cette nuit, il y aura trop d'actions prophétiques. Amen. 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 Il faut que les sorciers soient foudroyés. Amen. Amen. Il faut qu'ils soient foudroyés. Ouais, je suis révolté dans la prière. Il faut qu'ils soient foudroyés. Amen. Et qui se mettent à marcher pour demander pardon. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Il faut qu'ils viennent te demander pardon parce qu'ils ont perdu le combat. Amen. Oui, parce qu'il faut qu'ils perdent le combat. Amen.
Il doit te demander pardon parce que j'ai perdu le combat. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu doit terrasser tous tes sorciers. Amen. Ils doivent tous tomber. Il a commencé par toi-même. Il faut te remettre en cause. Regarde ton cœur. Regarde ta vie. Il faut l'exposer pour dire réellement, voici ce que je suis. Ben, il y a ce qu'on voit, ce que tu es. À l'intérieur de toi, c'est comme un tombeau. Pourri, il y a de la pourriture à l'intérieur. Et c'est cette pourriture que tu dois montrer à Dieu pour dire réellement, voici ce que je suis. Ce qui fait que par moments, tu n'entends pas ma prière. Ta main ne me sauve pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est à cause de telle chose. Je reconnais ça. C'est à cause de telle chose que je n'arrive pas à avoir la victoire sur certaines choses. Le combat, oui, la victoire tarde parce que tu es dans une position qui ne permet pas à Dieu de te délivrer. Amen. Amen. Le combat qui devait mettre 2 jours, 3 jours, le combat en train de durer, c'est en train de faire 2 ans même peut-être, parce que tu n'es pas dans une position que tu veux. Amen. Amen. Le peuple devait aller très vite en Israël, en Canaan. Ils ont fait plus de 40 ans dans le désert.